Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate. On se retrouve pour continuer notre résistance. Notre objectif, pour le moment, c'est que Lucia se barre, mais je sais pas si on pourra faire grand chose vu qu'elle est dans son hélicoptère. Et on va essayer de tenir ici. On pourrait progresser, on va voir si on nous le demande, mais dans un premier temps, ça me paraît plutôt pas déconnant d'essayer de tenir cette ligne. Même si en face, il y a du bâtiment où il pourrait se poster. Il y a encore de la résistance à éliminer, là. Ils sont capables de nous tirer dessus alors que nous non, c'est ça le délire? Alors, attendez les renforts. Ok, tenons jusqu'à l'arrivée des renforts. C'est pas si mal. Alors, j'ai replacé mon snipe, j'essaie de le placer là. Pour qu'il ait un angle de tir intéressant, parce que là, les mecs sont un peu en mode YOLO, on va dire. Si vous pouviez vous sortir avec vos fusils à pompe et vous occuper de nettoyer ça, ça me ferait bien plaisir. Donc ici, on a chargé un peu de troupes. On fonce. Là, on est retapé. On va se remettre ici pour défendre. Et les autres, malheureusement... ça, c'est un transport blindé. On pourrait peut-être emmener du monde avec. On va envoyer les squads de RPG là. Que plus vite on les amène sur le champ de bataille, plus vite ils seront efficaces, bien évidemment. Là, vous pouvez ramasser quoi? Mitrailleuse, non, c'est nul. Et vous, rien d'intéressant. Et là, vous pouvez faire le plein de RPG, ce qui serait pas si mal, mais pour le moment, c'est pas le trip. Allez, dès qu'ils sont rentrés dedans, on les fait réparer. On peut mettre 11 personnes dedans. On a quoi? 6 et 5. Pas mal. Go. Parce que là, ils commencent à galérer les pauvres gars. Nos snipers ici par contre sont enfin bien placés. Au sol, avancez par là. Oh putain, les deux. Ok, on va rentrer. Qu'est-ce qu'ils foutent? Les cons. Ok, bon là, petit bug de pathfinding pour eux, tant pis pour eux, du coup, c'est le décès potentiel. Et ils ont attiré les tirs, et les grenades, c'est pas si mal. J'ai envie de dire. Hop. Ensuite. Ici, c'est réparé, donc allez-y, vous grimpez. Le Humvee, il fait sa vie. On va lui demander de décharger... On va lui demander d'aller ici en fait. On va débarquer tout le monde pour refaire le plein. On en est où là en termes de ressources? Ça diminue. On va peut-être le garder pour les ATGM du coup. D'accord. Foncez par là. Tu vas dropper ton monde ici. Et on va se poser là pour avoir un bel angle de tir. Ici on a enfin réussi à nettoyer la zone mais il y a du renfort qui arrive. Qu'est-ce qui nous allume aussi fort là? Squad d'armes lourdes là. Ils sont un peu en mode vénère. C'est clair qu'on manque d'unités lourdes ici, il va falloir qu'on aille poser du monde. Hein. Oh, tu fais ta vie, ok. Ah, on a un véhicule là. Un Humvee. Toi, t'es capable de l'allumer ou pas? Tente. Je vais avancer un peu pour avoir un angle. Un peu beaucoup même. Un peu trop peut-être, dirait certains. Ouais, demi-tour. Hein. Pas déconner non plus. Recule un peu. Là c'est du snipe de base, mais ils font le taf. Hein. Ici on va perdre notre dernière troupe en même temps. Oh putain, enfoiré. Aïe. Saloperie. Ok, faut qu'on reste vraiment derrière avec lui. On devait encore conduire et tirer, c'est déjà ça. Ici, le transport blindé est prêt. Viens dropper tes troupes. Là. Ah, il y a du monde là. Il y a du monde, il y a du monde.
Ok, il commence à pouvoir passer avec du véhicule par là. Donc là, on avait de l'escouade d'infanterie lourde, enfin d'anti-véhicule. Voilà, donc les drops. Ok, ça c'est fait. Vous allez par là. Là, on a notre sniper qui est mort. Ah non, il est là, notre sniper. Ok. On va se mettre par ici avec lui pour couvrir un peu. Sur ce flanc-là, pour le moment, ça tient. Sur ce flanc-là, pour le moment, ça tient. Il y a un autre véhicule ici, c'est quoi? Un char. Ah, fuck. Vas-y, viens te poser par là, toi, pour avoir un angle. On va neutraliser le pilote, c'est déjà ça. En feu, excellent. Le char là il brûle plus, mais. Réparer un peu le blindage histoire de prendre un peu moins cher. Là on se fait un peu défoncer, mais bon, on tiendra. Le MV pareil. On a une bonne tourelle mobile ici du coup. Ici on se retape. Ici on se retape, on voit plus d'ennemis. Notre transport rapide, je vois qu'on voit là, donc il doit être dans le coin. Ok, il est là. Un peu de renfort, ça va pas faire de mal très clairement. Ici là. Ah oui, ils arrivent à se soigner carrément. Le bâtiment là est toujours considéré comme moyen, mais il n'a plus de munitions. Ah putain, là, ils ont plus de munitions. Ok. Repliez-vous par là-bas. C'est clair que ça commence à diminuer là. Hein. Non, restez ici, on va plutôt remballer ça. On va venir le poser ici et on va le sortir pour que vider ses dernières ressources en récupérant tout ça. Les snipes ici, ils sont capables d'allumer ça, peut-être. Ce serait bien que vous vous rapprochiez un peu par là pour aider à nettoyer ça, là, parce que... On galère à se les faire là. Voilà, au moins faites-les se coucher au sol là. Excellent. Ça, il faut des compétences de conduite de char. Ok, ah, on peut choisir, d'accord, du coup, qu'est-ce qu'on prend? On a droit du véhicule léger, du transport blindé, véhicule de combat. Ça, on n'a pas droit du coup à notre Abrams. Véhicule de combat, la plateforme lourde compte comme véhicule de combat. Du coup, si je mets ça, ça va là. Ok, très bien. Transport blindé. On a nos camions, mais on n'a pas le droit de prendre les remorques, donc c'est pas très grave. En véhicule, on prend ça. Canon sans recul monté avec une plateforme légère. C'est parti. Et on va prendre notre MV, mais il n'a pas de... Il n'a rien d'accroché au cul, le MV, tiens. Bon, c'est pas grave, du coup. Bon, on va quand même le prendre. On va peut-être s'arrêter là. Du coup, là, on a ça, c'est tous ceux qui conduisent. Il va nous falloir un ATGM. Il nous faudrait plutôt de l'escouade d'assaut. Hein. Tiens, quelques Rangers. On va prendre Hardar 2. On va prendre Plasmardinus. Ils sont mi-munitions. Donc, c'est parti. On y va avec ça. En transport blindé, on a les camions, mais ça sert à rien. Et sinon, on pourrait prendre une automitrailleuse éventuellement, ou une plateforme. Il faudrait que je la détache. Détacher. Et du coup, le MV, remorque. Ah non, oui, j'ai pas de place pour prendre
Non, ça marche pas parce que j'ai plus de place pour mettre les personnages en fait. Ouais, ça c'est bon, on a déjà suffisamment de pilotes. On va prendre du renfort, tous ces véhicules là, c'est très bien. Le bulldozer qui tire la plateforme lourde, le Bradley. Ça devrait passer, je pense. Ok, alors, du coup. On apparaît ici. Donc là, il va falloir réussir à rentrer. Bon, ici, on est déjà pas trop mal. D'autant maintenant qu'on a le MV pour nous aider. Dès que le blindé, le transport blindé, il est où? Il est là. On va lui demander plutôt de déposer les troupes dans le coin. On va envoyer le MV ici. Et on va les laisser se reposer un peu. Donc on va t'avancer mais pas trop. Et donc ici, on est parti. Alors on n'a pas trop de snipers si on a eux éventuellement à poser dans la tour. Mais d'abord il faut s'occuper de ça. Donc ça, c'est un travail pour... Shootez-moi ce truc. Pareil pour le Bradley. En avant, défonce-moi ça. Le dépôt de véhicules, c'est là. Et les arsenaux, c'est là. Bah écoutez, en avant. Go! Go, go, go. Pareil pour vous, en avant. En avant, si on peut poser la plateforme lourde là dans l'alignement, on sera nickel. Mais avant de lui donner l'ordre, on va voir un peu ce qui se passe. Ok, il y a du monde. Ok, donc déjà, tout le monde par terre. Châssis détruit, sur quoi? La plateforme lourde, sérieusement? Tout le monde par terre. Il y a du peuple. Un petit MV, un autre là. Ok, l'action va être là pendant quelques temps. On allume. Ok, la TGM qui rate parce qu'il y avait une foutue barrière sur le côté. Go, go. Lui, il vit sur le côté, mais il n'y a rien, on est d'accord. C'est bon. Ça c'est fait, ça a explosé, il y en a un autre là. On a TGM qui part dans la pampa parce que ce qu'il visait a déjà été détruit. On va place-toi par là. On va envoyer le Bradley en frontal, ça reste quand même le truc le plus tanky qu'on a pour le moment. Dans le coin en tout cas. Sont où les intégrateurs? Ah putain, on a une balle perdue ici qui a touché ça là. Fuck. Ah ça, ça m'arrange pas par contre. Pourquoi on leur a tiré dessus? On est con ou quoi? Ouais. Les intégrateurs alliés au cartel, hein, c'est pas le bon plan, ça. C'est pas du tout le bon plan, ça. On a perdu notre remorque ici. Putain, du coup, il y a une artillerie lourde des intégrateurs qui nous tire quelque chose, qui nous tire dessus, là. Ça doit être ça, le campement des intégrateurs. Ouais.
Ouais, j'ai besoin que tu me ramasses ça. Ah non, il n'y a plus de roues, putain. Non mais réparer. Hein. Bande de con. Dans la vache, non seulement ils allument, mais en plus ils allument quoi. Oh, il va nous falloir de la TGM là, pour s'occuper de ces cons. Là. Toi, t'en es où là? T'arrives ou pas? Ouais, t'arrives à ta... à ton chemin, on va dire. Toi, on a dit que tu viens ici. Essayez d'aller me choper ça, tant qu'à faire, ça sera toujours ça de prix. Ça va dépouiller, hein. Les moissonneurs, avec des espèces de fusils bien énervés. Non, donc, je pense que là, on va essayer de recharger. Sauvegarde automatique. Voyons voir si on peut éviter ça. Parce que ça pique un peu le cul, là. Je pense que la sauvegarde, c'est quand ils sont arrivés. Du coup, faut que je regarde. Comment ça s'est passé, mais je pense qu'il devait y avoir une balle perdue qui a touché... qui a touché les mecs qui sont à côté de leur char, là. Ouais, c'est juste avant les renforts, ok. Donc on va se détendre, du coup. Il y a le char qui est ici, il y a les intégrateurs à côté. Donc on va se placer ici. Pareil là, le petit véhicule là, on va l'envoyer dropper ses troupes ici, toi t'as repaqué, ok parfait, viens là, on va te déployer ici. Ok, c'est reparti, on prend ça, on prend le Bradley, on prend le MV. Alors, là, on a quoi? Une mitrailleuse, ce sera pas mal. Et un canon sans recul. Allons-y pour un canon sans recul. Ensuite, on prend... je me tâte à prendre deux ATGM, du coup. On prend un petit truc comme ça. Il va nous falloir... place Mardinus. Quelques rangers, on va prendre Hardar 2 quand même. Une deuxième milice. Et on est parti comme ça. Alors par contre, va falloir faire gaffe aux balles perdues, mais bon. Alors déjà, tout le monde là, au sol. Ensuite, on avance un petit peu, le Bradley, il avance devant, le bulldozer sur cet angle. Ici reste un péon. Ok, là c'est fait. Du coup, on va plutôt l'envoyer là, lui, histoire d'éviter qu'il tire par là si possible. On va surveiller. Ah, il y en a un mec juste là, qui était caché dans l'angle mort. Toi, t'es tout seul, essaye de venir ici prendre un peu le bâtiment. Alors, maintenant que vous êtes au sol, en avant, on progresse un peu. C'est parti. C'est les balles là dans cet alignement là. C'est abusé. C'est abusé ça. Je veux pas devenir ennemi avec les intégrateurs. Alors, ça peut paraître abusé de recharger, mais pour moi là c'est un exploit. Hein. Le coup des mecs qui se sentent attaqués alors que ça tire partout autour d'eux et qu'ils voient une balle passer. Et je veux pas devenir ennemi avec les intégrateurs. J'ai fait exprès de pas leur pourrir la vie, là. Donc, non, je veux pas devenir ennemi des intégrateurs. Toi, viens par là. Toi, du coup. Sur ce flanc-là, on va tenir. On a suffisamment de monde. Enfin, si jamais ça tombe,
On le verra venir. Vous essayez d'aller par là. Non, même d'ailleurs, restez ici et puis essayez de vous retaper un peu. Je vais essayer de sauvegarder cette fois après avoir lancé le truc. Le Bradley, il en dit une mitrailleuse. On a dit un canon sans recul, une automitrailleuse, c'était le MV qui était là. ATGM, ATGM, on va prendre un mitrasma, on va prendre un... les lance-roquettes, non, ça ira. On va prendre un Ranger, Hardar 2, la Smardinus et Usine 1. C'est parti. Je vais sauvegarder. Hop. Et bon, fût, hein. Ça c'est pour fermer les coutils, c'est con. Au sol. On va essayer du coup de se prendre des angles qui ne prêtent pas à confusion. Déjà, voilà. Le Bradley, ce serait bien qu'il aille là. En fait, on va envoyer probablement tout le monde là. Ça évitera d'avoir des angles à la con. Progresser par là. Vous deux. On va progresser par là. On va laisser les mecs qui sont ici s'occuper de prendre l'assaut sur ce truc-là. Ici, on les laisse se soigner un peu. Ah oui, là, on peut plus se réparer parce qu'on a plus ce qu'il faut. Attention, balle perdue, là. Hein. Attention aux balles perdues. Ok, ça c'est géré. On n'aura plus de balles perdues de ce côté-là. Parfait. Ici, il se retape. Ici, niveau munitions, ça donne quoi? Fusil de précision laser, on est mi-munitions. Par contre, putain, eux, ils ont plus de balles. Ça, c'est la merde, ça. Ils ont plus que des grenades. Bon, on va espérer qu'on va pas avoir d'assaut direct de ce côté-là tout de suite. Sinon, je drop... drop cette infanterie. Venez là, vous. On va récupérer l'infanterie qui a des munitions. Enfin, dans une certaine mesure. Passe par là, toi. Ok. Là, on est pas mal. Progresse avec le Bradley. Là, on va jusqu'ici. Là, on avance jusqu'ici. Eux, ils ont la compétence de conduite de char. Hein. Donc, je pense qu'on va dropper le MV. Foutre une escouade genre eux dedans, là. Pour récupérer le Bradley. Putain, les enfoirés juste à côté, là. Sortez. Vous avez des fusils à pompe, vous. Occupez-vous de ce con. Ah merde, putain, je les ai fait rentrer dans le véhicule. Quel con. En plus, il y a un mec avec un anti-tank juste là. Allez, là, c'est bon, là. Démontez-moi ce débile, là. Grenade. Ok, parfait, c'est fait. Là, il y a un mec dans le bâtiment. Vas-y, prends-moi ça d'assaut. Fais pas chier. Ici. Attention là, au tir perdu, n'est-ce pas, une fois de plus. Pareil pour le MV. L'automitrailleuse. Ici. Là. Réparer ce qu'il y a à réparer, avant de pouvoir avancer. Et ces personnes derrière, c'est bon. Allez, go. On va jusque là, le Bradley, on va le faire avancer un peu.
si c'est bon. Vas-y, chopez-moi ça. Ah oui, en fait, c'est parce qu'il y a des foutus mecs dans ce bâtiment, quoi. Je pensais que ça, c'était les intégrateurs qui avaient pris ce bâtiment, mais non. C'est parce qu'il y a des mecs là-dedans, quoi. Réparez-moi ça comme vous pouvez. Ça va les mecs, vous restez au milieu de la fête là? Vous vous sentez comment? On peut même pas rentrer dans les bâtiments quoi. C'est trop, trop lourd. Toi viens poser ta remorque là, tiens. Ce serait bien si tu pouvais réussir à progresser jusque là. On va essayer de faire en sorte que le Bradley ait un angle de tir pas trop crade. Fait. Alors, le carburant. Super. Alors, c'est pas trop mon trip pour le coup. Là, on est en train de retaper. Vous. Venez me conduire ce MV, s'il vous plaît. Là, on arrive enfin ou pas? Parce que bon. Pas tout ça, mais j'aimerais bien qu'on se retape un peu. Ici, du coup. Vous descendez, vous allez là. Vous grimpez là-dedans. Toi, tu te déploies ici. Toi, fonce ici. Enfin, quoi que, non, ils vont se recharger sur le contenu à l'intérieur, là. Donc, vas-y, viens là directement. Même, ouais, en même temps. Ici, ça serait pas mal. C'est quoi comme bâtiment? Ça, c'est moyen. Ok. Viens dropper là. On va avancer sur ce flanc là du coup directement, on va pas se faire chier. Toi avance jusque là, vous du coup essayez d'avancer jusque là, on va laisser le snipe derrière en soutien. Le Bradley il a un mauvais angle là. En même temps, il ne peut plus avoir un mauvais angle là malheureusement. Y'a plus personne ici qui pourrait prendre ce truc, qui est assez peu nombreux pour prendre ce truc. Avancez par là, avance par là. Avancez par là, vous, lui il est en train d'aller poser son truc. C'est parti, on avance. Ouais, ça c'est vraiment l'enfer, hein. Les mecs posés là-dedans, là. On va faire une sauvegarde. Tant pis, on va grid à la sauvegarde, hein. Mais bon, c'est comme ça. Tout ne peut pas être toujours parfait dans un jeu, n'est-ce pas? Non mais attendez, remontez là-dedans. Remontez là-dedans. C'est le transport qui va dropper ces trucs. Ok. Alors il reste quoi comme approvisionnement dans le dépôt là? Parce que j'ai l'impression qu'on a un petit peu dépouillé grave, comme on dit. Je sais pas s'il y avait des bâtiments là, enfin des véhicules, mais on l'a pas mal avoiné. Hein. Vas-y, viens poser une tourelle là, toi. Ici, ils sont toujours en train de réparer. Ici, ils sont pas encore arrivés au volant. Là, on est parti. Ici, ils remontent, s'il vous plaît. Là, il y a des snipers. Ah non, c'est nous qui l'avons snipé. Ok. Bon, les intégrateurs sont pas contents. Je sais pas trop. Enfin, ça se trouve, c'est scripté, hein, mais je pense pas. Hein. Je pense que c'est vraiment la balle perdue. Qui fout la merde. Alors vas-y toi, avance par là. Y'a
camion avec des fusils à pompe dedans. Toi, viens poser ta tourelle ici. Là, on est en train de continuer de construire. Donc ici, du coup, on a dit... Vous, vous allez là-dedans, vous allez là-dedans. Et vous, c'est parti. En avant. Où est notre autre unité de ciel? Okay. Vous, c'est parti, vous allez là. On garde les snipers derrière. Là, il y a toujours le mec. Ça se trouve, à un moment, on va perdre parce qu'il y a un type qui va se faufiler derrière et qui va foutre la merde, quoi. Où est notre autre automitrailleuse? Bien à l'arrière, là. Ok, viens là. Au sol, c'est quoi? Un RPG 7 pourri et... Un autre RPG 7. Ici. Une mitrailleuse de 240 à la con. Une mitrailleuse de 240 et... Allez. Une mitrailleuse de 240, ok. Donc ça devrait être gérable. Là, il a touché quoi, lui? Pareil, du 240... 240, ok. Pour l'instant, leur équipement est pas ouf. Ça va. Ça, c'est fait. Ah, le taux sur le Bradley va faire bien plaisir, quand même. C'est bon, vous pouvez peut-être rentrer dedans et faire des trucs. Ah, mais non, allez. C'est pas possible. Bon, on va arrêter l'épisode là, de toute façon. J'espère qu'il vous a plu. Désolé pour les petits rechargements. Ça arriverait probablement pas si on avait pris le char, du coup, hein, d'une manière ou d'une autre. Ce qui serait barré. Mais là, ça fout un peu la merde. N'hésitez pas quand même à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Vous inquiétez pas, on va gérer ça. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.